J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais. Ton cœur est tout ce que j'ai. Et dans tes yeux tu tiens le mien. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras. Le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre chanson. Tu dis ne pas le mériter. Soudain j'ai le souffle coupé. Oui, crois-moi chérie, tu es parfait ce soir. J'ai trouvé un homme plus fort que n'importe qui. Il partage mes rêves et j'espère partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets. Pour cet instant où je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes mais nous nous aimons. Luttant contre le temps, je sais que tout ira pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivons notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Je crois en ce que je vois. J'ai rencontré le bon. Oui, tu dois me croire. Chérie, tu es parfait ce soir. Oh, 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 je ne le mérite pas. Tu es parfait ce soir. Des années, on grandit, on vieillit, et nos exigences aussi. On s'aime, oui, mais la vie réclame plus pour notre survie. Tu sais bien que je n'aime que toi, mais si tu étais là pour moi, on flanche, on ne sait le pourquoi. Ça ne nous ressemble pas. Regretter ne sert à rien, car le mal est fait, je sais. De toi, j'ai besoin. Si on recommençait, cherchais les mots qui font que je serais pardonnée. Ton cœur tout blessé, je te serrer dans mes bras, capturer l'instant qui nous a séparés.
vraiment changé une vie. Tu disais m'aimer, j'ai pensé que tu te contredisais. Je t'appartenais, aux autres tu te consacrais. Je t'ai tout donné, pourtant tu te préservais. Tu sais bien que je n'aime que toi. Mes larmes, ma peine m'ont détourné de toi. Flanchant, ne sait le pourquoi. Aller dans d'autres bras ne me ressemble pas. Regretter ne sert à rien, car le mal est fait, je sais. De ton pardon, j'ai besoin. Si on recommençait, d'être présent, d'avoir fait le voyage afin de se réunir pour partager notre bonheur. Nous avons bien sur une tendre pensée pour ceux qui n'ont pas pu être présents et pour ceux qui nous ont quittés, en particulier Pauline, la maman de Judy Kael, Saturne.
grand frère Christelle. Sachez aujourd'hui que nous pensons à eux. Nous espérons que vous profiterez pleinement de cette magnifique journée et que vous prendrez autant de plaisir que nous. Reflète pour nous les valeurs qui souderont aujourd'hui notre union dans l'amour de Dieu. Lecture, je demande à Steph de venir. Merci.
Stéphanie. Première lecture. Lecture du livre de Tobie. Le soir de son mariage, Tobie dit à Sarah : Nous sommes les descendants d'un peuple de sang et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie disait : Seigneur Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui a donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu m'essaies. Si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. Sarah dit à son tour : Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse, tous les deux. Parole du Seigneur tout-puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olive. Don de Dieu.
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Il est dit de quitter, s'attacher et de venir. Quitter, c'est humain. S'attacher, c'est psychologique. Et devenir, c'est spirituel. Alors est-il possible de quitter ses parents sans souffrir, sans renier? Que vais-je trouver en quittant père et mère? Que vais-je devenir, moi, Judicaël, après ce mariage? Moi, Christelle, en disant oui à Judicaël aujourd'hui, quel engagement je prends? Vous allez me dire, je sors d'une dépendance pour entrer dans une autre. Comme si Jésus avait institué 6 sacrements et un 7e que nous appelons un piège. Le mariage n'est pas un piège. Quitter, c'est une rupture salutaire
qui nous permet de mieux nous trouver. Quitter, c'est la fin d'un épisode et c'est le début d'une autre vie avec un nouveau décor. Ils deviendront une seule chair. C'est l'image de l'intimité matrimoniale, de l'acte d'amour qui ne doit en aucun cas impliquer une autre personne que celle choisie aujourd'hui. Il s'attachera, c'est-à-dire qu'il va adhérer et qu'il va rester attaché. Et c'est l'union unique de deux personnes en une seule entité. Vous venez de le dire tout à l'heure en disant 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas quand les choses vont mal. Il s'attachera, c'est construit sur du roc. C'est ce roc, c'est Dieu. C'est ce que vous avez choisi. Parce qu'on ne peut pas construire tout seul. Dieu seul peut vous aider. Il vous donne la force, sagesse, patience, humilité et surtout la volonté de pardonner. Je suis en retard. Pardonne-moi, chérie. Je t'ai offensé. Pardonne-moi, chérie. Mais le pardon, c'est Dieu. Je voudrais vous donner 3 ingrédients qui me paraissent si importants pour construire un amour qui illumine toute la vie. Si vous voulez, vous les prenez. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les prendre car vous vous mariez à vous. Est-ce bien cela que dit Kaïli Christelle? Vous les avez entendus? Non. Est-ce que vous vous mariez à vie? Oui. Oui. Ça me rassure. Le premier ingrédient, c'est le pardon. Notez que pardonner, ce n'est pas excuser. On peut très bien pardonner à quelqu'un qui est inexcusable. Parce que pardonner n'est pas dire « je te comprends, je vais essayer d'oublier ». Pardonner, c'est à dire à l'autre « même si tu m'as fait du mal, je veux t'aider par-delà ce que tu m'as fait. Je ne veux pas que ta mauvaise action limite mon amour. Pardonner, c'est faire remporter une victoire à l'amour. Cela suppose, ce sera mon deuxième point, que l'amour ne repose pas seulement sur le sentiment, mais aussi sur la volonté. On ne le sait plus dans notre monde. On croit que l'amour dure tant que dure le sentiment. Mais non, l'amour est ainsi un choix, une décision. Dans un couple, il arrive des moments où le sentiment n'est plus au rendez-vous. Mais on peut encore choisir d'ouvrir son cœur à l'autre, de le prendre dans son cœur, de vouloir lui être uni. Non pas nécessité, non pas peur d'être seul, non pas soumission, mais par choix. Lorsqu'on fait cela, un sentiment nouveau commence à naître, plus profond, un attachement qui donne davantage la vie. Et puis en troisième lieu, je vous propose de vivre souvent la reconnaissance, le merci. Il n'y a rien qui fait grandir plus l'amour que la reconnaissance, comme il n'y a rien qui l'abîme plus que l'ingratitude. Passez du temps à vous émerveiller de ce que l'autre est de ce qu'il fait pour vous, et même lorsqu'il sera souffrant et tout abîmé, portez encore sur lui ce regard de ce jour. Ce regard de jeunesse, d'émerveillement, qui le réchauffera et qui est celui de Dieu sur chacun de nous. La première chose dont vous pouvez être reconnaissant, c'est que l'autre ait bien voulu partager votre vie.
Dites-lui souvent merci d'être là à vos côtés. Ne vous habituez jamais à cela et dites-lui merci pour tant de choses. J'espère que dans 10 ans, vous vous aimerez davantage plus qu'aujourd'hui. Christelle et Judicaël, je souhaite que vos enfants puissent grandir demain dans l'amour de votre couple très uni. Ça sera le plus beau cadeau que vous allez toujours leur offrir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. 1 + 1 = 1. Comme je le disais tantôt, le mariage, c'est là le sacrement que vous allez vous donner. Et pour ça, je vous demande un temps de silence. Que l'Esprit Saint nous aide et qu'ici, il y a des gens parmi vous. À qui ce couple a offensé, je vous demande en leur nom de les pardonner. Et vous, s'il y a des gens dans l'Assemblée qui vous ont offensé, je vous demande aussi de les pardonner avant ce sacrement que vous allez vous donner l'un à l'autre. Pour cela, je vous demande un petit temps de silence et recueillez-nous. Vous pouvez vous asseoir à l'Assemblée. Le mariage, c'est le sacrement que les fiancés se donnent mutuellement par des phrases qui rentrent dans le rituel. Ils ont choisi ces phrases. Vous allez les lire, comme je vous avais dit quand on s'est vu plusieurs fois, ce n'est pas des choses à apprendre par cœur, parce que chaque phrase a son sens, chaque mot a son sens, et le oui que vous allez donner aujourd'hui, c'est ça qui est le sacrement. On est dans un lieu de prière, un lieu de recueillement, l'Église. Dieu est avec nous aujourd'hui. Il va faire alliance avec vous. C'est là où, à tout à l'heure, je vais bénir ces alliances. C'est qu'en bénissant ces alliances, Dieu fait alliance avec vous. Dans les malheurs, dans les difficultés, il ne faut pas l'oublier. Et souvent, c'est à ces moments qu'on demande à Dieu, où es-tu? Mais je vous demande tout le temps, je vous invite, même surtout dans la joie, quand vous vous levez le matin, il faut toujours remercier le Seigneur. Comme je sais que vous avez toujours votre croix avec vous, jusqu'à être à ta croix, la croix dans la maison, en quittant la maison, c'est de regarder, c'est déjà un geste de prière. Juste un petit regard au Christ. Hein? Je m'en vais. Hein? Protège-moi. Et à votre retour, je suis de retour. Tu as gardé la maison, tu m'as gardé. Et Dieu sera toujours avec vous. Et pour ça, nous sommes tous témoins pour ce mariage. Vous tous ici présents, ceux même de loin qui sont de cœur avec vous. Mais malheureusement, dans notre registre,
il n'y a pas beaucoup de place pour la signature. Raison de plus, ils ont choisi des gens pour vous représenter et je vous demande de les appeler. François et Blanche. Qui se lève et qui se met derrière François et Blanche. Saint-Pius, Concord et Christelle. Les témoins entourez-les pour que. Voilà, c'est bon. Tu prends. C'est ça que je me fais. C'est ça. Vous restez à côté. Avec vous depuis longtemps de très bons moments. Car vous êtes toujours présent pour nous et nous le serons pour vous. Nous vous avons choisi tout naturellement comme témoin. Nous n'imaginions pas ce jour sans vous à nos côtés et nous souhaitons que vous et nous souhaitons vous avoir encore pour bien d'autres moments remplis de rire et d'amitié. Et vous les témoins. Comme je le dis souvent, le mariage, c'est les témoins de mariage ne sont pas comme des parrains de baptême. Où on choisit des parrains juste parfois pour des boulettes ou des quoi. Ils vous ont appelé. Par cet appel, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour ma part, merci déjà. Pour ma part, le micro. Bon, je peux parler sur le fond. Oui, mais ils vont pas bien. Pour ma part, je commence par exprimer mes plus vifs remerciements et ma gratitude que Julie Kaed et son épouse m'aient choisi pour témoigner de leur amour ce jour. Et j'espère tout à fait modestement continuer d'être autant que faire se peut à leur côté. Je leur souhaite bien de choses et surtout la grâce du Seigneur. Je remercie Dieu et le couple qui m'aimait de m'avoir choisi en tant que marraine de Judy Kael et aujourd'hui en tant que témoin pour la bénédiction nuptiale. Et je demanderai au couple de continuer sur la bonne alignée et que vous donniez la main dans les jours à venir, que ce soit dans le malheur et dans le bonheur. Je vous remercie. C'est mon Blanche, Christelle m'a choisi comme témoin. Aujourd'hui, je suis très contente et que leur rêve ça se réalise. Ce que je veux leur dire, qu'ils soient soumis entre eux et qu'ils suivent le chemin du Seigneur. Et à savoir pardonner, c'est à le voir quelque part. Donc, moi, je suis très contente que Dieu leur bénisse et qu'ils continuent vraiment à leur soutenir. Leur mariage. Je suis M. François, Christelle m'a choisi. Je demande seulement c'est le bonheur. Que Dieu le bénisse. Merci pour eux. Avant de vous faire une voix, je vais vous donner comme conseil qu'on a du mal à pratiquer. Moi aussi, le premier. C'est de leur dire tout simplement un secret se garde à combien? À deux. Un secret se garde à deux. S'ils viennent vous voir, je vous en supplie, pour des petits problèmes quotidiens, ils prennent tôt le café. Bon, c'est pas un secret, ça.
Ils font trop la prière, je pense vrai. Mais quand ça va rentrer dans leur vie intime, je vous en supplie, rappelez-les ce jour en leur disant un secret se garde à deux. Pourquoi je dis deux? S'il y a une troisième personne, quand on veut raconter à la troisième personne, on dit ne le dis à personne. Cette troisième personne va raconter encore à une autre, ne le dis à personne. Et quand il y a trois personnes, vous ne pouvez plus savoir d'où provient ce que vous avez dit. Vous ne pouvez plus savoir. Mais tu as dit à qui? Je n'ai dit à personne. Si? Tu as dit à quelqu'un qui s'appelle personne. Et voilà. Donc nous allons commencer ce sacrement. Et je vous invite à bien écouter ces paroles en vous accentuant sur les mots qui sont très très importants. Christelle et Judith Kael, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et à les éduquer selon l'évangile de Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Et échangez vos consentements. Moi, je dis que je te reçois Christelle comme épouse et je te promets de te rester fidèle dans les bonheurs et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Christelle, je te choisis, je dis qu'à elle comme je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Seigneur, bénis les alliances que nous avions en ta présence. Donne à Christelle et Judicaël de se garder l'un à l'autre une entière fidélité, qui demeure dans la paix en faisant ta volonté. Qu'ils vivent toujours dans l'amour mutuel. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Le flash m'empêche de lire. Christelle, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. De ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est beau. Amen. C'est beau.
Dikaël et Christelle, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement du mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux. Que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en soit toujours enrichie. Dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail. Qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoigne de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourés de leurs amis dans le royaume des cieux par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Christelle et Judicaël, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contacter votre mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre mariage conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toute responsabilité du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église, vos témoins et vos parents. Seigneur, nous te remercions de nous avoir mis sur le chemin de l'amour et d'y avoir croisé nos destins. Nous avions confié l'un à l'autre, maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Aide-nous à chercher comment nous aimer chaque jour davantage et à suivre l'exemple de Jésus, ton Fils. Ton immense bonté, Seigneur, donne-nous d'agrandir notre famille et aide-nous à la protéger et à la préserver notre joie. Que nous demeurons l'un pour l'autre, douceur, secours et pardon. Seigneur notre Dieu, protège notre amour, notre famille, lors de notre vie terrestre. Accueille-nous un jour au royaume de ton amour, où nous pourrons retrouver ceux qui nous sont chers et où nous pourrons te louer dans le bonheur et dans la paix. Amen. Amen. On va faire la quête. La quête, ce n'est pas pour Joseph. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Joseph a pris conscience. La quête, c'est pour les prêtres qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de travail, qui vivent de bouquettes. Et la quête, c'est pour l'entretien de l'Église. Je vous compte sur vous pour votre générosité. Est-ce qu'il y a des gens pour faire la quête?
leur foyer. Prions au Seigneur. Leurs amis et pour tous ceux qu'ils ont aidés. Prions le Seigneur. Et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur. Les familles dans le monde et pour que s'affermisse la paix entre les nations. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Pour l'Église, peuple de saints de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Dieu est le Père de tous. Il veut que ses enfants vivent dans la charité. Que ceux d'entre nous, chrétiens, l'invoque maintenant en disant la prière de la famille de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, et on récite ensemble de notre Père. Notre Père, Dieu et ce ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous vos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À présent, c'est à Marie, Mère de Dieu, que nous allons demander sa bénédiction sur votre amour, votre union et votre famille, et vous mettre sous sa protection. Ainsi, en déposant votre bouquet devant la statue de la Vierge Marie, c'est une façon de lui demander qu'elle intervienne pour vous auprès de son Fils. La Vierge Marie représente la fécondité. Elle qui a enfanté le Fils de Dieu et lui offrir son bouquet, c'est non seulement lui demander sa protection, mais c'est aussi un moyen d'attirer la fertilité dans son couple et plus particulièrement pour Christelle et Judicaël.
tous ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bénédiction finale. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Amen. Et vous tous ici présents, réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour votre patience. Et je vous demande aussi de prier pour moi. Je dis qu'à elle et Christelle, c'est une joie aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, de bénir votre mariage. Amen. Portez-moi aussi en prière. On va fêter tous les 6 juillet. Vous allez fêter votre anniversaire de mariage. Et du coup, vous n'allez plus oublier Joseph. Oui. Voyez la signature. Voilà. Et merci. Et maintenant, on va passer à la signature. Vous pouvez prendre vos petites boîtes pour prendre. Thank you.
je continue, s'il vous plaît, pour le besoin de l'Église, pour les mariés, j'aurais besoin de volontaires pour nettoyer tout ce qui a été mis. Sinon, je vais prendre toute cette responsabilité sur ma tête. Ils vont encore dire, voilà, ils sont arrivés, ils ont sali l'Église. Je compte beaucoup sur vous. Je vais vous donner des palettes dès qu'ils vont sortir, je vous en supplie, pour qu'on puisse ramasser toutes les feuilles de beauté qui sont présentes. Voilà, je compte sur vous. Vraiment. Thank you.
Oh,